YouTube, on est entré dans la grotte. Oh, regarde, Jack. Franck, les loups sont morts, comment ça se fait? Comment est-ce possible? Au vu de la décomposition des corps, je dirais que ça fait une semaine et qu'ils sont morts à cause d'un animal crevé. Voilà, et que ça n'a rien à voir avec nous qui serait rentré avant et moi qui aurais oublié de lancer l'enregistrement. Exactement, ce serait de la médisance. Continuons de progresser discrètement. Je peux descendre? Oui. Oh, il y a un truc en bas. Vas-y, prends le loot. Dépêche-toi. Faut savoir que tout ce que tu lootes, même si tu meurs, tu l'as quand même. Ah, ça c'est cool. Oh, pour fissurer. Ça permet de faire des contre, bombes. Par contre, je vois qu'ils ont tarifé des chevaliers. Ouais, ouais, il y a des chevaliers qui sont morts de décès ici. Ok. Il y a des trucs là. Ouais, et il y a des loups aussi. Où ça? Ah, d'accord. Y'a que moi qui les vois? Fais sélection automatique. Ah oui, je le vois, il est dans la flotte. Ouais, il y en a deux. Je fais le premier, attends. Tu fais le deuxième. T'es prêt? Oui. Feu? Feu. Petit bâtard. Il est où le deuxième? Il est, je l'ai tué. Okay. Je te laisse ramasser. Alors, un peu tous les loups. Luisante. Rune dorée. On regardera les crafts. Hein. Cette fois, c'est promis. À chaque fois, je dis je regarderai les crafts, je le fais jamais. Mais là, cette fois, je vous promets qu'on le fera. Peut-être. Et on va par là. Oh, il y a un loup. Oh, je vais me le faire. Vas-y, vas-y. Oh, c'était fantastique ce que tu viens de faire, Franck. Je sais. Alors là, il va y avoir un boss. Attends, je vais remettre mon armure parce que je fais le connard depuis tout à l'heure. Mais... charge moyenne, c'est bon. Oh, je suis bien comme ça, regarde. Ben, moi aussi, regarde, hop. On est des ninjas. Alors, on va arriver sur un boss qui est un poil plus compliqué. Ouais. Tu vas rencontrer un premier boss dit à pattern. En gros, il a des séquences d'attaque qui généralement ne s'interrompent pas. D'accord. Donc tu vas essayer de t'arranger pour éviter de t'en prendre plein la gueule et ouais. N'hésite pas à rouler notamment en arrière quand il fait des attaques, d'accord? D'accord. Mettre de la distance entre lui et toi et dès que tu sens qu'il a fini une séquence d'attaque, t'essaies, si t'es pas trop loin de lui, de le taper. D'accord, il te flatte le bougre. Non, il est en train de me caresser dans le sens du poil parce que là on va se faire déchirer un allemand. Ouais. Je connais l'animal. Alors la première fois que tu joues, en plus soit c'est ta première fois que tu joues à un Souls, il peut être compliqué celui-là parce qu'en plus il a tendance à taper assez fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de te prendre l'aggro au début. Et toi t'essaieras de lui caler des coups dans le dos et d'éviter ses coups s'il commence à te taper. N'oublie pas qu'il a tendance à faire des moulinets. Donc il peut taper derrière lui, tu vois ce que je veux dire? Attends, j'arrive pas à traverser, au secours! Tu vas traverser, tout seul. Aïe! Attends. Je suis à toi dans 2 secondes, je suis perdu! Je suis là. Bon. À l'attaque. Donc, tu vois, là, il enchaîne, tu vois, il fait des coups, et un troisième, et là, tu peux le taper. C'est bon, je l'ai tapé. Donc là, il coupe. Bon, on est deux. Attention, ça, c'est la guillotine, elle fait mal. Il faut que tu roules en arrière quand tu fais ça. En fait, lui, toutes ses attaques, tu roules en arrière. S'il t'attaque vers toi. Tu vois, il se tourne, hein, fais attention. Comment tu te soignes dans le jeu? Tu utilises ta potion. Vas-y, comment? Il est sur moi. Merde, au secours, comment on fait pour se soigner? Tu utilises ta potion, Franck. Soigne-toi avant. Oui, mais j'arrive pas. Ah, B, d'accord. Mais non, c'est pas B. Il va falloir que tu sois carré là-dessus. Le truc à gauche. Bah oui, le truc à gauche, mais j'y suis. Au secours! Roule en arrière, voilà, t'as tout compris. Quand t'as peur, tu roules en arrière. C'est un truc de four, ça. Ouais. Merde. Après, ce que tu peux faire... Attention, roule en arrière encore. Voilà, nickel. Tu vois, la séquence fait 5 coups, alors, celle-ci. Ouais, j'ai vu. Attention, 5 coups, tu vas voir, il va sauter, et un grand coup, et là tu peux attaquer. C'est très bien. Ah bah c'est bon, on l'a eu. Yes, on l'a eu. Alors on est à 2, donc on peut réussir à gérer son aggro, et on a récupéré notre premier item très cool de boss. Alors c'est des mini-boss, hein, c'est pas des boss... Tu vas voir qu'il va y avoir 2-3 boss sur lesquels on va passer beaucoup plus de temps. Alors, talisman de dragon de feu. Donc là, pareil, hein, tu vas dans tes équipements. Ouais, mais attends, parce que moi, ce que je voudrais, c'est me soigner.
Alors oui, on va régler ce problème. Normalement, sur quand tu affiches ton UI, ta potion doit apparaître, ta potion rouge doit apparaître tout en bas. Et elle est mappée normalement sur une de tes touches de manette, si des gens connaissent, mais je pense que c'est la touche qui se trouve en cardinalité nord sur ta manette. Si c'est pas ça, c'est Y. X, pardon, à gauche. Le bouton de gauche. Ouais, c'est ça. Ah yes. Donc nice. Sachant qu'avec ton pad, ton pavé directionnel, quand tu appuies sur le bas, ça change normalement la potion qui est active. Donc t'as une rouge, une bleue, c'est et X. Après. D'accord, c'est X. Bonsoir. Et donc avec. C'est bon. Si t'essayes avec ton pad du bas, normalement. Bonsoir, Ken Alec, comment vas-tu? Ouais, avec ton pad du bas, si t'appuies dessus, tu vas voir ta potion rouge passe en bleu. Oui, tout à fait. Voilà, alors la potion bleue, ça te permet de remplir ta barre bleue. Et la passion rouge, ça permet de remplir ta vie. Donc, il y a des compétences, tu verras, qui coûtent de ce qu'on appelle de la mana. On va appeler ça de la mana, ça va être plus simple. Et du coup, la potion bleue permet de faire le plein de cette compétence-là. Bonsoir, le bois d'acier, tu vas bien? Oui, c'était une manette Xbox. C'est bon, bah écoute, je suis OP. Ok, super. Bah voilà, bah, pour te soigner, alors méfie-toi parce que... Il y a un truc qui brille, là. Ouais, bah, dès qu'on a fini un donjon, on peut rentrer... Ah, d'accord, c'est pour rentrer. D'accord. Bon, bah, let's go. Bon, ça t'a plu? En même temps, moi, je découvre, mon cher. Non, non, Jacouillon, Franck n'a jamais joué à un Souls. Jamais. Jamais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... Véridique, jamais. On va faire, pareil, un petit donjon. Oui. Alors, tu peux aller tuer des mecs si t'as envie. Hein. Est-ce que c'est... Y'a pas de soucis. Et ça rapporte des runes de les buter, oui. Ces gens-là? Tu les vois, normalement, quand on les tue, les runes apparaissent en bas, à droite. Alors, attends, Franck. Viens avec moi. Oui. Je vais t'emmener un... Vas-y. Tue des gens, fais-toi plaisir. Bah, j'y suis. Oh, tu fais ça bien. Je vais ramasser des coquelicots pendant que tu fais ça. Oh, yes. Tu viens de tuer un cochon, non? Oui, j'ai tué un cochon. Alors, on va aller... Alors, je vais te montrer un truc qui est intéressant dans le jeu. Donc, quand on va explorer le monde... Généralement on va se diriger un peu au jugé. C'est genre on voit un bâtiment, on voit des trucs. Parce que souvent quand tu vois des bâtiments, ça veut dire qui dit bâtiment dit loot à côté des bâtiments. Ouais. On longera aussi les collines pour trouver des grottes, des trucs comme ça. Mais là je vais te montrer un truc. Est-ce que tu vois, donc là au loin, au sud-ouest, regarde ce qu'il y a en haut de la petite colline. Oui, je vois un truc qui est perché mais je sais pas ce que c'est. Alors on va y aller. Je te suis. Éventuellement tu utilises ton cheval, hein. On l'utilise un peu, même si on disparaît, on va se rendre sur ce personnage. D'accord. Alors attends, parce que moi ça fonctionne de la manière suivante. Ah mais je te vois, Jack. Ah ça y est, bah ça doit bugger de temps en temps. Je sais pas pourquoi. Moi je te vois aussi. C'est un paradoxe. Alors si t'appuies sur la touche pour rouler, normalement ça te fait courir vite. Ça te fait faire un dash. Ah cool. Mais t'as le double saut aussi. Oh tu fais ça bien. Le double saut. Jack. Il y a Franck qui n'écoute pas les conseils, du coup il joue bien. Alors ça c'est un des trucs auxquels on va être attentif. On va être attentif dans le monde. En fait ces statues là vont indiquer où se trouvent des donjons. Qui dit donjon dit danger, mort, se perdre, mais dit aussi loot. Et nous on va plutôt tabler sur ça. D'accord. Attends, je réponds à quelqu'un en même temps. Vous jouez avec le mode qui offre la coop complète, c'est ça? Ouais, tout à fait. Examiner. Gardien des portes et guide pour ceux qui retournent aux racines. Alors, normalement, toi, tu dois voir un truc qui part de sa main. Ah oui, j'avais pas vu. Ça nous indique en face, okay. Au nord je te de suis. La position. Bon, alors je redescends. Oh, on a du style sur les chevaux, là, sur la biquette, je trouve. Oh, mais non, c'est un dada. C'est un dada biquette. Permet de ranger des objets, Franck, regarde. Il y a des sacoches à l'arrière. Donc inutile de faire ce que tu as fait par le passé. Bon, écoute, il y a prescription. C'était il y a des années, d'accord? Je veux dire, à un moment donné, tu vas pas me le rappeler toute ma vie. Tu l'as laissé le clip sur ta chaîne. Stop. Oui. Il y a des ennemis. Je crois qu'il y a des ennemis là-bas. Tu proposes... Alors attends, je vais te montrer un truc, oui, qu'on n'a pas encore vu. Donc, bah, je propose de niquer tout non, le monde. Non, remonte sur ton cheval. Je vais te montrer un truc qui est très fun dans le jeu. Ok. Fais des actions d'attaque. D'accord.
Allez, viens, on va aller les, on va aller leur, leur expliquer ce que c'est que la démocratie. Ouais, ouais, on peut leur taper dessus. America, fuck you. Mais putain, Torchman. Merde. Fais gaffe à Wick avec la torche. Putain, il me saoule lui. Attends, on peut faire des coulons? Ouais, ouais, tu peux faire des coulons si tu maintiens appuyé. Non, toi, alors droite, c'est pas maintien appuyé, c'est la gâchette du fond. Alors, le vieux nous a montré l'emplacement. Ici. Attends, j'ai du loot. Yes. Comment on fait? Tu fais... Bré de sorcier, c'est bon. Alors... c'était ici, mais il y a un passage. Je te laisse chercher. Ah oui, j'ai trouvé une grotte. Yes. Et ben voilà. Donc ça, ça va être un autre truc qu'on va chercher, qu'on va chercher tout le temps. Oui, c'est ce que me disait Jack. On me signalait justement qu'il y avait des bugs des fois sur le... Ouais, sur le cheval. Sur ce mode-là. Bon, c'est pas gênant, on se voit pas, mais on peut évoluer quand même dans le jeu, quoi. Non, mais marrant, en vrai, tu peux relancer. Donc, ça va. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure, je crois, avec une vidéo. Le passage... Des fois, avec les cinématiques, ça bug. Alors, Franck joue à la manette et moi je joue au clavier. Parce que la manette, j'y arrive pas. Okay. Ben, je sais pas, ça me paraissait logique de jouer à la manette, tu vois. Parce que bon, je sais pas. Ok. Alors, tu dois avoir des âmes. Parce qu'on a tué, on a tué un boss tout à l'heure. Donc, tu vas avoir quelques âmes. Je t'invite à passer tes levels. Alors, mes âmes. Ah oui, c'est monter le niveau, c'est ouais, ça. Monter le niveau, tes runes, pardon. C'est vrai que. Ok, moi je voulais augmenter l'endurance. Moi je vais monter aussi un peu l'endurance. Ah bah je peux pas. Il va pas me manquer grand chose moi d'ailleurs. À moins que j'augmente. J'augmenterai bien encore la vigueur quand même. Hein, parce que. Ouais, l'endu, tu m'as dit que c'était pour les armures et tout. Hein. Ouais. Ok. L'endu, c'est toujours bon l'endu. En fait, quand t'as un doute, tu peux mettre de l'endu ou de la vigueur. c'est toujours bon à D'accord. prendre. Je pense que nous concernant, ça serait bien qu'on ait pas mal de vigueur assez vite. Ouais. Parce que sinon ça risque d'être rapidement compliqué quoi. Je te laisse passer devant, de faire la découverte tranquillement. Oh. Non, y a rien. Je te laisse avancer. Oui, bah toi tu connais le jeu, alors forcément. Ok, on a une ouverture à droite. Ouais, on a un couloir sur la droite. Ouf. Oh putain. Recule, Franck. Ne fais pas le héros. Vas-y, cache-toi derrière moi. Soigne-toi. Oh le bâtard, ouais. Ce qu'il m'a mis. Alors eux, tu vas les détester. D'accord. Oh, le petit bâtard. En plus, il met du saignement, fais gaffe. La barre de saignement, c'est la barre rouge qui est au centre. Putain, il m'a mis de tarif, quoi. Ah ouais, non, mais eux, ils défoncent tout. Hein. Donc ils sont tout faibles. Mais par contre, ils font très mal. Ok. Moi aussi, il m'a mis tarif. Fouiller le cadavre. Résine de racine. Pareil, c'est pour les crafts. Je sais pas à quoi ça sert. Il va falloir qu'on s'y penche, mon cher. Oh, et les mains, mais on n'y est pas, les mains. Les mains, on les déteste. Hein, on les déteste tous. Mais c'était quoi, cette saloperie? Donc, c'est les petits diablotins. Tu vas apprendre à les haïr. Parce qu'ils peuvent te défoncer, mais en quelques secondes. Donc on va avancer doucement. Okay. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il est beau! Ouais, ouais. Moi, je comprends qu'il a été nommé jeu de l'année et tout. Hein. L'ADA est super soignée. Attends, il y avait écrit quoi? Obtenir des matériaux? Muguet mortifère. Okay. Alors ça, de mémoire, ça nous permettra d'augmenter nos invocations. Alors attends, je vois qu'il y a une porte. On peut pas l'ouvrir. D'accord, fort bien. Donc il faut passer par là. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Oh, stop! Oui. Plus bouger. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? C'est toi qui lead. Bah c'est pas ça, c'est que je vais tirer sur le machin qui est en face. Ça marche. Parce que tu vas pas me faire croire que ça c'est une gargouille. Tiens, dans ton cul. Merde, raté. Ah, ça arrive. Les snipers. Non, c'est pas la bonne arme. Je me suis trompé d'arme. C'est bon, je l'ai eu, détends-toi. J'ai un peu du mal avec les contrôles, je suis pas bien. Maintenant, je vais avancer en douceur. Vas-y. Parce que je me suis fait défoncer analement. Est-ce que tu en as un autre qui est planqué? Pense à vérifier. Ah d'accord, c'est sur deux étages, ok.
Y'a rien là-haut. Ah, c'est, je t'ai vu. Oh, quel œil, hein, vous voyez ça, ça c'est la forme, ça c'est la formation, hein. La formation de l'amiral Benson. Attention. Est-ce que si je touche la tête, ça fait plus de dégâts? Peut-être, j'en sais rien. Moi déjà, non, j'ai pas l'impression que ça fasse plus de dégâts. Moi déjà, j'ai essayé de les toucher. Oh le bâtard. Mets-toi hors champ. Ouais, il m'a tiré dessus. Ils sont, c'est ta bonne team, ou pas? Non, ils sont. Bah, je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il essaye de me tirer dessus encore. Ah, tu vas voir, l'IA, elle est goldée. Hein. C'est bon, il est mort, il est mort. Merde, je sais pas comment. Bon, c'est pas grave. Ok. On va fouiller cette pièce. Affirmatoire. Tu vas découvrir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des catacombes. Salut, Bimok, tu as bien ma poule. C'est les catacombes. Ouais, c'est les catacombes. Donc des catacombes, il y en a partout dans le jeu. On en trouve dans toutes les zones, plusieurs. À chaque coup, il y a des donc des diablotins, les petites saloperies que tu as vues là. Tu verras, ouais. Il peut y avoir aussi d'autres mobs. Il y a toujours des boss dans les catacombes, mais c'est la grosse porte que tu as vue à l'entrée. Et il y a aussi, méfie-toi, il y a des pièges aussi. Donc je te laisse avancer sur celui-là, le piège est très visible, donc tu pourras pas le rater. Je te laisse avancer. Vous voyez, c'est l'instinct de Franck pour les traquenards. Oui, alors le coup du couloir, bon, on le connaît tous, quoi. Bah ça se trouve, c'est pas là. Ouais, bah tu parles mes fesses. Putain, mais je vois pas de déclencheur, je vois rien. Attends, je te mets la lumière. Comme ça, tu peux, toi, passer à deux mains ou utiliser ton bouclier si t'as peur d'en prendre plein de cornets. C'est quoi ce bruit ? Tourne-toi. Observe. Oh putain ! Ah oui, ça c'est le truc de... Ah oui, c'est, ouais. C'est quand même un gros truc de pute quand même. Derrière toi ! Ouf ! Il est décollé au mur. Oh l'enfoiré. Petit bâtard. Donc tu feras gaffe, dans les catacombes, les diablotins peuvent être accrochés au mur ou au plafond. Alors là, il va falloir... en fait, alors, si tu te mets normalement... je vais essayer. Voilà, ici on n'est pas touché. Éviter de se faire fumer, ouais. Regarde, et observe le couloir. À droite. Ouais, tu vois, à droite, il y a un petit passage. Ouais. Donc il va falloir courir. Je suis mort. Ouais, j'ai vu. Ninja de l'amour was die. Alors bah t'as découvert ta première mort je crois. Oui, c'est ma première mort. Ouais, je te rejoins au feu de camp. C'est important quand même que tu meurs parce qu'on est si tu préfères, on est un peu dans Elden Ring. Sache que tu vas mourir un certain nombre de fois. D'accord. Sache que je suis mort aussi à peu près au même endroit que toi d'ailleurs. Les ennemis repopent non ils repopent pas. Hein. Ok. Normalement t'as peut-être un debuff de mort. Bah là j'ai rien affiché donc okay. Alors normalement quand tu meurs dans le jeu, donc bon bah déjà ça réinitialise la zone, mais là comme on est à deux c'est pas le cas. Il va falloir que tu retournes à l'endroit où tu es mort. Ouais. Pour récupérer tes runes. T'as, avance-toi un petit peu, je puisse passer, voilà. Alors, je vais te montrer. J'ai récupéré mes runes. Ah, impeccable. Alors je vais passer puis après tu passeras. Merde. Bah non, j'ai couru en mode. Défie-toi. Encore au même principe. D'accord. Donc c'est une affaire de timing, hein, tout simplement. C'est bon, t'es vivant. Soigne-toi. Putain. Voilà, c'est un peu putassier. Ok. Ah oui, c'est... Ne regarde c'est pas sous ma jupe. Oui, oui, c'est très fourbe. Mais tu portes pas de culotte ? Non, je pense jamais. Oh. Jamais. Alors, attention. Après, rien ne vit en vase clos, j'ai envie de dire. Ah, je le vois, il est en face. Tu veux que je le tire ? Vas-y. Je te laisse, c'est toi qui lead. Moi, j'interviendrai s'il y a des difficultés ou. Derrière toi. Donc tu vois, ils sont toujours calés dans les coins. Hein. Oh génial, faut que tu apprennes à bien rouler. Oui mais je lock pas alors je suis con. Parce qu'en vrai j'essaye de le taper mais c'est dans le vide. Ouais.
J'ai pas le réflexe de lock. Ouais, il faut que tu utilises le lock quand tu peux. C'est assez pratique. Ouais. Après, des fois, c'est gênant quand t'as beaucoup d'ennemis. Attends, je vais en attirer un. Que tu le prennes en traite. Tu vas te faire en embuscade. T'es prêt? Oui. Je vais l'attirer. En embuscade? Ouais, mets-toi en embuscade. Prêt à le taper dans le dos. Bah, qu'est-ce qu'il fout? Bah, parce qu'il peut tirer à distance. Il voulait. Ah, GG. C'est bon. Alors, on a été très bon là. Alors, t'es prêt? Attends, je vais te montrer au niveau de la fourberie du jeu. Normalement, avance-toi doucement. Ouais. Il devrait y en avoir un dans les angles. Ah, écoute. Oui, j'ai entendu. Tu vois les petits bâtards? Ils sont horribles. Et puis, il attaque en plus, hein. Il ah, hésite oui, pas. Non, il y va. Et puis surtout, il recule. Oh, GG. Attends. Accroupi. Ah, attends. Là, j'en vois pas. Alors, utilise ton pad pour bouger ta caméra. Des fois, tu vas les voir accrochés au mur, au plafond. Donc, toujours bien surveiller les zones. Mais je pense que là, on est OK. Non, moi, je vois rien. Ouais. Alors là, le but, c'est de trouver... ici, il y a un objet normalement sur lui. Intéressant. T'as récupéré la cendre? Quelle cendre? Sous mes pieds, Franck. Ah oui. Cendre de noble errant, c'est ça? Oui. Donc sache que déjà, on est deux. On va pouvoir invoquer des renforts. Ah, ça, c'est cool. Ah oui, ça va être très bien. Alors, il va falloir qu'on trouve... alors, tu vas voir, c'est un jeu qui est vachement basé sur l'observation. En gros, quand t'es dans des endroits, ils ont le chic pour planquer des trucs un peu partout. Donc, je vais juste te donner un indice. À partir d'ici, on doit pouvoir trouver l'endroit qui va nous permettre d'ouvrir la porte. Donc, il va falloir juste que tu observes méticuleusement tous les endroits. Bon, celui-là, il est relativement simple. Est-ce que c'est un mécanisme? Oui, c'est un mécanisme. Je vais même te donner un indice. C'est un levier qu'on cherche. C'est un levier, d'accord. Ah, non, c'est pas une torche. Il a le bon instinct. Celle-ci? C'est la formation de Franck, les gens. Il y aura des phases comme ça où je le laisserai un peu chercher. Bah, j'avais pensé à celle-ci, mais c'est diablement tordu. Ah, ça y est, en contrebas. Yes. Hop là. Mais on peut rien faire, là. Là, ici, ça y est, j'ai vu, ok. Tiens, double accroupi, mets-toi accroupi. Je sais pas. Regarde devant toi, derrière toi. Oui, j'ai vu. Mais Mais pourquoi t'as pas tapé, abruti? Mais quoi? What the fuck? Au secours, je suis tombé. J'ai vu. T'as activé le levier ou pas? Oui. Ok, j'arrive. Ouais, je l'ai eu. D'accord, parce que je restais en haut au cas où, parce que j'ai pas trop envie de repasser par le feu. Attends, elle est où la pop-porte? Alors, la pop-porte s'est ouverte, donc elle était à l'entrée. Attends, il y a du loot. Oh, j'ai pris une fleur. Alors, je vois pas forcément les loots que toi tu vois. Les loots oui, mais sont... Les plantes, on les voit toi et moi, donc... Ah bah voilà, regarde la porte est ouverte. Alors, avant d'aller au boss, on va retourner au feu de camp pour recharger nos potions et notre vie. Et on va affronter un boss, je vais tester un petit peu plus dessus, il est très chiant celui qu'on va faire. Tu vas le détester. Ah bon? Par contre, il va t'apprendre à rouler. Donc, je sais pas où t'en es au niveau des runes. Si t'as moyen de passer un niveau ou pas. Mais je sais pas. Tu veux que je regarde? Ouais, regarde si tu peux monter de niveau. Oui, je peux monter de niveau. Vigueur ou endurance? Bah, tu mets vigueur, c'est bien. Ok. Ok. Donc, le boss qu'on va affronter là... Ce qu'on va faire, c'est un truc qu'on fait souvent dans les Souls. Souvent, quand t'arrives sur un boss, la première chose que tu fais, c'est pas d'essayer de le tuer. Enfin, ça dépend des petits boss, tu peux te dire, ouais. Ou des boss que tu connais déjà, tu peux essayer de les tuer. Mais souvent, tu commences plutôt par les observer. Donc, en gros, tu vas attendre que le combat s'engage. Et tu vas regarder les attaques qu'il fait. Donc, généralement, les boss ont 3 ou 4 patterns différents. C'est toujours un peu les mêmes trucs. Et l'idée, c'est d'arriver à détecter les patterns où il fait une pause à la fin. Pour voir si t'as moyen de caler un truc ou les patterns un peu simples où tu vas pouvoir rouler sur les attaques. On va rencontrer un boss
roule en arrière la plupart du temps quand il fait des attaques. Alors attends qu'il attaque pour rouler en arrière. Et un truc particulier dans le jeu, c'est que, alors ça, ça viendra avec l'expérience. Moi, je ne sais pas le faire, par exemple, parce que je suis mauvais. Mais quand tu roules, pendant que tu es en train de rouler, souvent, tu es invulnérable. Donc si genre, il te met un coup, et que toi, tu arrives à rouler pile poil au moment où le coup devrait te toucher, mais que tu es dans ta roulade, normalement, ça te touche pas. Bon, moi, j'ai jamais trop compris pourquoi des fois ça touche, pourquoi des fois ça touche pas. Mais globalement, ça marche bien. Jack, on peut parler avec le fantôme, là? Ouais, bah, il va nous dire que sa vie, elle est toute pourrie parce qu'il est assis sur une chaise depuis des millénaires. Je crois que c'est ça, hein. Attends, je vérifie. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, il dit rien. Une mort digne de ce nom vous renverra à l'arbre monde. Soyez patient jusqu'à ce que l'heure vienne et que retentisse l'appel des racines. Regardez ce swag de ton Camille. T'as vu la moustache que je me suis fait? J'ai vu, elle est classouille. Merde, ça fait deux fois. Bon, bah, écoute. Boss. Vous avez rechargé vos potions? Ouais. Oui, oui. Ouais, c'est à fond. Là. Donc, tu verras, après ça dépendra combien de temps on passe sur le jeu, mais sur certains boss, ça pourrait nous arriver de passer une bonne heure dessus facilement. Hein. Ah bon? Ah ouais, ouais, facile. Hein. C'est grave long. Ouais. Oula, ça a l'air de s'exciter là. Ouais, ouais. Il vient vers moi, Jack. Ouais, ouais. Voilà, donc tu l'observes, roule en arrière quand il attaque. Je vois un peu que tu étais en fat roll. Vas-y, roule un coup pour que je vois là. Non, c'est bon. Merde. Oh la vache, le bestiau. Donc quand il fait un truc. Alors les estocs. Recule-toi, reprends de la vie. Bah non, je vais pas reprendre de la vie, il m'a à peine touché une fois. Oh, t'as pas une grosse barre de vie non plus, hein. D'accord. Donc essaie d'observer, vois les attaques qu'il fait. En plus lui il est chiant parce qu'il a des espèces d'attaques à retardement. Ah, attention du feu, recule. Il tape dans le dos pendant qu'il fait ça. Oh, c'est bien Franck ce que tu fais, j'adore. Ouf. C'est bon. Je suis vivant. Ah bon. Comme on est à deux, on va pouvoir fourber. Comme Julien. Qu'est-ce qu'il fait? Julien m'attaque et moi. Voilà, donc là j'ai complètement raté. Ouf. Ah oui, d'accord. Il y a le blast qui est pris en considération. Ok. Attention. Voilà. Ouf. Donc tu vas apprendre. Il y a certaines attaques, vaut mieux rouler sur les côtés. D'autres, il faut rouler en arrière. D'autres, il faut rouler en avant. Merde, raté. Remets-toi de la vie. Aïe, je vais mourir. J'avais pas vu ma vie. Aïe. Je te vois mettre des flèches. Mais pourquoi pas? Ah non, ah, mais bon, complètement. C'est court. Ce fut court avec les flèches. Ouais, t'as plus de flèches? C'est ça. Putain, le bâtard. Oh ouf, même la roulade laisse tomber. Hein. Ouais, ouais, bah je l'ai prise aussi. Hein. Aïe! Ah, le feu! Okay. Recule-toi. Attends, recule-toi, non, pas totalement. Ouf, petit bâtard. Tapé pendant qu'il m'attaque. Je l'ai tapé. Vas-y, tant qu'il est sur moi, tu peux l'attaquer, je pense. Bah en fait, il a un délai de latence entre le moment où tu, ouais, tu le tapes. Le petit bâtard. Attention. Ok. Oh, la vache, j'ai plus de vie. Mis. J'ai plus de vie. Je vais te laisser le taper. Je vais faire la forme aussi. Essaye de le taper, Franck. Ben, le problème, c'est qu'il saute. Putain, il manque peu hein, pour le tuer. Ouais, j'ai plus de. Allez, essaye de lui caler des coups.
Ouais, j'ai vu. GG. Bon, j'ai plus de vie. Hein. Cendre de sorcier noble, d'accord. Ok. Alors c'est un boss qui est très pénible celui-là, bizarrement. C'est hein. particulier comme gameplay, hein. Alors, les Elden Ring, hein. Enfin les. Ouais, c'est pas ça. Je t'ai prévenu, il y en a qui sont fans, il y en a qui aiment pas du tout. Alors ce okay. boss-là est assez particulier, mais personnellement je l'aime pas trop parce qu'en fait il est difficile à lire. Les enfants. Et une particularité que t'as dû noter, en fait, quand il s'élève dans les airs, il met des délais avant ses attaques. Genre, tu vois, il se met en l'air et puis il attend avant de retomber. Et en fait, tu sais jamais trop comment rouler. Et la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est soit tu vas rouler avant, ouais. soit tu vas rouler après. Et du coup, tu vas en prendre plein la gueule. Donc, généralement, c'est pas rare de passer beaucoup de temps sur ce genre de boss parce que t'apprends à comprendre comment il bouge, quoi. Tu vois, par exemple, là, j'avais plus de popo. J'en ai pris plein la gueule, moi. Mais moi aussi, j'ai plus de popo. Ah, d'accord. Oui, mais moi, j'ai plus de vie. C'est pas un concours de grosses, enfin, de grosses fioles, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, on va les augmenter nos fioles. Il va falloir qu'on aille se balader dans le monde pour récupérer du matos. Ah oui. Attends. Ah non, mais moi, jamais touché, tu vois, donc vraiment grosse découverte. Hein. Salut Simori, j'espère que tu vas bien. Bon, ben, on en ressort vivant. C'est bien d'avoir fait Zonjon, mais ça nous... Ah bah, il y a un cycle jour-nuit. Ouais, il y a un cycle jour-nuit. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à l'église, qui est juste à côté. Tu veux pas qu'on pète la gueule au mob? Oh bah si, hein. Oh. Il a fait un drôle de brouille, le mob. Il a fait oh. Ouais, ouais, il est en transe. Bon, je vais m'occuper de leur expliquer un petit peu ce qu'on pense de leur travail. Je suis très fier de ce que vous faites, monsieur. Je trouve que vous travaillez vraiment bien. Ninja. J'adore parce qu'ils okay. s'enfuient des fois, ils ont peur. Du coup, ça fait un peu de la peine de les tuer. Oh, attends, regarde, il y a un truc là. C'est le truc que j'ai récupéré tout à l'heure. Ouais, c'est des runes en fait que tu récupères. Donc, des fois, t'as des petits crânes qui brillent. Quand oh. tu passes dessus avec les chevals, tu peux les ramasser. Et Tous les trucs qui luisent, c'est des loot. Ouais, c'est des petits loot. Il y en a partout. Hein. Il y en a vraiment dans tous les sens. Hein. Ah, d'accord. Bon, alors attends, comment je fais pour mon canasson? Voilà, c'est bon. Je suis avec toi. Alors, on va retourner à l'église. Déjà pour se poser. Moi, j'ai de quoi passer un niveau, je pense. Ouais. Est-ce qu'elle est pas là Parce qu'attends, il y a un PNJ qui est censé apparaître ici. Ah, j'ai fait un double saut. Oh merde, j'ai cassé toute sa... Pardon, monsieur. Alors, elle est pas censée être là, elle. Tu veux pas qu'on se repose? Ouais, si, on va se reposer. Elle apparaît ou pas, Miss Tinguette, là? Ah, on peut parler à Mélina, t'as vu? Ah, tu veux qu'on lui parle? Bah oui. Je te laisse faire la lecture. Ok. N'oublie pas la voix. Oui. Cette légère aura dorée est due à la grâce de l'arbre monde. Cette lueur brillait autrefois dans les yeux de vos semblables. Vous auriez un Kleenex, s'il vous plaît? Mais à présent, c'est elle qui vous guide. Du moins, c'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on raconte, oui. Vous la voyez, n'est-ce pas? La lueur de la grâce qui vous guide à travers votre ordalie. Ok. Ok. Bon. Je lui reparle encore. Ouais, ouais, tu lui reparles encore, il y a un autre dialogue. Alors attends, je lui reparle. Hein. Sur la falaise, dans le château de Voilorage, se trouve un porteur de fragments. Un demi-dieu ayant hérité d'un morceau du cercle d'Elden après l'éclatement. D'accord. Si la lueur de la grâce pointe vers le château, c'est que le cercle d'Elden vous appelle. En tant qu'allié lié par un pacte, j'espère que vous serez à la hauteur de surmonter le défi que vous impose le cercle. D'accord, elle a plus rien à dire, il n'y a plus de pastilles. Monter de niveau? Ouais, si tu peux monter de niveau, tu montes de niveau. Je sais pas ce que permettez-moi de poser mes mains sur vous, l'espace d'un instant. Oui. On se connaît pas si... On connaît pas tant que ça, madame, quand on même. On est sur Twitch, c'est... madame, hein. calmons-nous. Et c'est elle qui a commencé, Jack. Elle me chauffe, la petite. Ouais, mais... Petite coquine, va. Petite coquinette. Je vais mettre endurance. Moi, je vais mettre un peu de vigueur, et après, ouais, endurance, ça va être bien. Au début, on va monter un peu tout en vrac, tu vois. Ça va être surtout vigueur, mais, endurance. Est-ce qu'il y a un level cap sur Elden Ring? Oui. Je crois que c'est 40, selon la stat, selon la stat que tu montes. Alors moi, pour changer, je vais passer sur ça. Pour essayer. Tu veux pas qu'on achète des trucs chez lui? Alors qu'est-ce qu'on peut vendre?
Ah, je peux vendre les coucouris. Ouais, faut les garder, ça. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes, mec? Les dagues de lancer. Ouais, alors le truc... Le télescope, c'est sympa, ça te permet de voir les choses au loin pour faire de l'observation. Moi, j'en ai pris un parce que j'aime bien explorer. Il a un bouclier, lui, mais il est pas ouf. On en trouvera d'autres. Mais il a des flèches, par contre. Oui, mais regarde. Manuel de guerrier nomade. Étoffe le répertoire d'artisanat. Ça, c'est quand même vachement bien. À moins que je dise une connerie. De quoi? J'ai pas entendu. Le manuel de guerrier nomade, il y a écrit étoffe le répertoire d'artisanat, ouais. C'est pas mal ça. Ouais, ça c'est bien ça, faut le prendre. Moi je vais prendre tous les manuels. Bah je peux pas, moi je peux pas tous les prendre, je peux en prendre qu'un. Bon, on les prend, on prendra au fur et à mesure, on pourra en acheter. De toute façon, les runes à un moment on va en avoir beaucoup. Hein. Note contenant des informations concises. Bon bah écoute, j'en prends un et je vais prendre des flèches. Yes. Prends des flèches, je vais prendre aussi des flèches, tiens, si je peux, si j'ai encore assez d'argent. Ah mais attends, une flèche ça coûte ça? Ouais. Au début, ouais, au début ça coûte un peu cher. Bah putain, oui. Bah je vais en prendre 10. Hein. Bon, j'en ai 7 moi. Donc voilà. Bon bah on est pauvre quoi. Oui c'est ça. Ça me dégoûte. Attends, j'essaie un truc. Vas-y, accepte. Bah oui, mais comment tu fais pour accepter? J'en sais rien. Bah voilà, c'est déjà la problématique. Attends, je reste. Alors on me dit que c'est le niveau 50, au-delà le bonus est très minime, d'accord. Oui alors après ça sert toujours, tu peux monter à 99 sur une stat, tu vois. Mais c'est pas forcément très utile. Alors si on n'a pas l'invocation, en fait c'est parce que je voulais parler au PNJ, je pense à activer des quêtes. Bon je ne sais pas comment se TP quand on est à 2. Ça a fail. Le vote pour se TP à la migrève a fail, ok. J'essaie un truc, on va voir si t'as le vote, ça se trouve c'est parce que t'y es déjà. Vois si le jeu te demande de voter. Oui, il me demande de voter, mais je sais pas comment je valide. Tu fais E, enfin tu fais valider. Oui. Vas-y, refais. J'essaye. Moi c'est A normalement, la validation. Alors, hop. Ah, et on me dit pourquoi pas choisir la même destination, mais je sais pas comment il fait. Alors je vais sur la carte. Ok. Tu vas sur la carte, tu vas sur un point jaune. Oui. Et tu fais, tu le valides, il va te demander si tu veux voyager et tu dis oui. Mais n'importe lequel de point jaune? Bah celui qui est près des portes. Le site s'appelle celui des portes, je crois. Ouais, c'est ça, les portes. Il est au nord, oui, de l'endroit où on est. Portes. Donc je fais all player must agree. Ouais, je fais ok, voilà. Ah bah voilà, en fait faut qu'on sélectionne le même site pour ce TP. Ah d'accord. Impeccable. Bon. Comme quoi, ok. C'était finalement bête comme chou. Et du coup je crois que t'as planté. Bah non, j'ai une barre de téléchargement en bas à droite. Ouais, mais... Ah oui, c'est d'accord, c'est le temps que t'arrives. Ah, te voilà. Oui, je suis là. Attends, maintenant on va faire le test. Retépais-toi l'endroit où on était, à savoir à l'église d'Elé. D'accord. Alors attends, moi c'est carte. L'église d'Elé, c'est ça? Ouais, là d'où on vient, parce que normalement ça fait apparaître un PNJ quand on se TP là-bas. Il me semble. Bah voilà, mais j'ai un temps de chargement. Elle est là? Non, elle est pas là. Normalement, bon... Ah si, elle est là! Oh, viens voir Franck, elle est trop belle. Ah oui, non, mais laisse-moi le temps, hein, ça charge. C'est ma future femme. Bonjour. Je suis pas sûr que Manu appréciera. Tiens, viens lui parler. Surtout si elle traîne dans les parages. Alors, ah. Franck a sélectionné le même point de téléportation, faut juste le temps qu'il pop. Bloqué. Ah, voilà, t'es là. Ah, voilà, c'est bon. Alors, vas-y, je te montre. Regarde, ici. Tu la vois aussi? Oh oh. T'as vu? Oh, bonjour madame. Je te laisse faire le dialogue. Mais quel dialogue? J'ai rien. Fais E. J'ai même pas Y. T'as pas E? Ah non, c'est moi qui lance. Donc elle est en train de nous dire j'ai eu vent d'un sans-éclat sillonnant sur un cheval. Après m'être renseigné, je présume que vous êtes l'objet de ces rumeurs. Vous possédez le pouvoir, n'est-ce pas? Évidemment. Celui d'invoquer le destrier spectral nommé Torrent. Je lui réponds, en effet, c'est nous. Ah, comme je l'espérais. Voyez-vous, j'ai une chose à vous remettre. De la part de l'ancien maître de Torrents. Et normalement, on a obtenu une cloche. Tu l'as aussi? Négatif. Alors, il va falloir que tu lui parles dans ton coin, je pense. Attends, je finis le dialogue. Ouais. Et je te laisse lui parler. Normalement, tu devrais pouvoir lui parler. Non, j'ai rien. Sérieux, tu peux pas lui parler? Non.
T'es sûr? Bah oui, sûr. Bah confirmez les amis dans le chat, mais ouais, je peux pas, j'ai pas de Y, j'ai rien. Ah, il faut que je me re-TP en fait. Re-TP toi, d'accord. Vas-y, re-TP toi ici. D'accord. Ok. Attends, je me TP aussi. Ah, elle a disparu. Ouais, mais elle va réapparaître quand tu vas être là. Je te laisse t'approcher du bord, là où c'est censé être. Dans le doute, ouais, bah on va faire ça. Ouais, faut qu'on apprenne à utiliser ce mode. Approche-toi, vois si tu la vois. Non. Merde. Bon, je ne sais pas trop. Par contre, j'ai cloche ment d'esprit. Ah, bah voilà, c'est ça. Donc en fait, un ou deux devaient lui parler. Donc normalement, la cloche ment d'esprit, ça va nous permettre de faire des invocations pendant les boss. D'accord. Donc on aura des gens pour nous aider. Donc si tu veux utiliser la cloche, alors. Je suppose que c'est dans le truc équipement, non? Ouais, c'est toujours dans la sacoche. Tu vas pouvoir enlever les items qu'on a déjà. Et puis, tu vas équiper. Donc, alors, je vais t'expliquer comment on fait. Tu vas dans ta sacoche. Je suppose que c'est ça, la sacoche. Ouais. Okay. Ensuite, tu vas sur un emplacement. Par exemple, le deuxième. Attends. Parce que je suis en train de faire des conneries. Donc, dans sacoche. J'en ai un qui est ici. Ouais, t'enlèves le deuxième, par exemple. J'enlève quoi Tiny Great Po? Ouais, c'est ça, le deuxième. Donc, hop, c'est enlevé. Voilà, à la place, tu fais modifier. Et normalement, dans la liste de ce que tu peux mettre dans la sacoche, tout en bas, tu dois avoir des cendres. Donc, les cendres, c'est des trucs en blanc. Oui. Et normalement, on en a trois, vu qu'on a fait le donjon ensemble. Donc, on a les cendres de noble errant, le cendre du sorcier noble et les cendres de loup solitaire. Donc, tu vas sélectionner les loups et on va aller tester ces cendres. Je vais te montrer comment ça marche. Donc tu l'as choisi et normalement elle sera disponible dans tes invocations. Normalement, je la vois. Si tu regardes dans ton interface, pour l'instant on va pas pouvoir les invoquer et je vais te montrer un endroit où on peut le faire. Donc tu vas me suivre. Ah bah c'est un tuto les gens. Bon on va passer là au milieu. En tout cas j'aime beaucoup. C'est très beau comme jeu, l'ambiance en plus. Je savais que toi le Dark Fantasy t'apprécierais. Donc on s'en fout là des mobs, on fonce dans le tas. Oui, on passe, on a déjà fait ça, on connaît. Je vais te montrer, alors ici. Ouais. On va passer là, sur le côté. On va essayer de pas aggro les saletés là. Tous les pécores. Ouais. C'est bon. Alors on va se mettre normalement à ce niveau là. Oui. Alors est-ce qu'on peut... On s'arrête là? Ouais, on va s'arrêter là. Alors normalement il y a un endroit où on peut invoquer ici, éventuellement on va aller tuer Jean-Pierre ici. Alors je sais pas si on peut invoquer quand on est en... Peut-être qu'on peut pas invoquer quand on est en multijoueur. J'en sais rien du tout. Ah, dommage. Non mais je retentais, je tentais. Ouais non, ça repop pas les loot. Attends, je regarde si on peut invoquer ici. Ah c'est bête, je voulais te montrer comment ça marche mais on peut pas invoquer. Bon bah c'est pas grave, on invoque pas hein. Bon on va pas refaire le camp 50 fois. okay. Est-ce que tu veux qu'on refasse une petite grotte? Parce que alors dans les grottes si tu affiches ta carte. Oui. Donc si tu regardes au sud de l'endroit de la position où on se trouve, si tu descends un peu, si tu regardes sur la carte dans la lisière au bord de l'eau, il y a un espèce de petit anus. Tu le vois ou pas? Oui. Voilà. Oui, je le vois. Donc ça, l'anus, bah génial, j'ai vu la marque, tu peux le mettre une marque. Le petit anus comme ça, en fait, c'est des grottes. Et l'intérêt des grottes, quand on arrive dans les zones, c'est qu'on va pouvoir récupérer ce qu'on appelle des pierres de forge. Et donc, on va aller faire cette grotte pour récupérer des pierres de forge. Et ça va nous permettre d'augmenter nos armes. Donc on va pouvoir faire passer des niveaux à nos armes pour qu'elles tapent plus fort. Ok. Donc on va y aller. Alors, on voit qu'il y a un site de grâce là, juste à côté. On va en profiter pour aller le prendre. D'accord. Là où tu vois tous les éléments dorés, c'est ça? Je ne vais pas survivre à cette phase, mais c'est un très bon prof, Jack. J'essaie d'être pédagogue. Attends, je vais regarder. Quand tu le prends, je veux voir si ça me l'active pour moi. Vas-y, prends-le, le site. Oui. Merci, Orange, pour le follow. J'espère que tu vas bien. Si un Nudo prend un site, il est valable pour nous deux. Donc c'est plutôt cool. Alors. Alors attends, on me dit, il faut un logo à gauche avec une grille pour pouvoir invoquer. Ça. Non mais t'as pas à être désolé, au contraire, fais-toi plaisir. Bon, on verra un moment si on peut invoquer ou pas.
D'accord. Alors attends, bouge pas. Je vais t'emmener dans la grotte. On va y aller tranquillou. Tu vas me suivre. Et puis après, pour la... dès qu'on sortira de la grotte, on ira augmenter nos armes et après, je te laisserai te balader. Tu vois, on pourra suivre la route qui est juste ici, là, et puis la suivre vers le bas et on verra ce qu'on trouve. Il y a des trucs en haut de la... Non, c'est des pierres seulement, d'accord. Ouais, bon, il y a plein de trucs. Hein. C'est vrai que toi, tu découvres, donc tout te paraît neuf. Bah, tout me paraît dangereux, c'est pour ça. Ah, mais tout est dangereux. Hein. Alors, on va descendre par ici, parce que l'entrée de la grotte est sur la droite. Ah, d'accord. On me dit que en gros, en mode multi, les invocations ne fonctionnent pas. Alors, on est sur un mode, donc c'est particulier. Hein. Non, mais c'est pour ça, c'est par rapport au mode. Il paraît que sur le mode, alors, ça ne fonctionne pas. Attends que je passe. Quoique, moi, j'attends pas que je passe. Alors, on va passer en courant. Si t'entends un bruit assez gros, n'aie pas peur, d'accord? Et je fonce après toi là. Ouais, tu fonces tout droit et on va rentrer dans la grotte. Regarde pas derrière toi. D'accord. Tiens, regarde au fond là. Maintenant, il ne suit pas. Regarde ce qu'il y avait. Waouh. Ça, c'est un crabe. D'accord. On est sur du gros crabe. Hein. Attends, on descend du canasson ou pas? Ouais, de toute façon, dans les grottes, tu vois, t'as une petite fumée bleue. En fait, ça t'indique que tu rentres dans une zone de donjon. Et généralement, d'accord, dedans, t'as pas le droit à la monture. Ok. Alors, je vais te laisser mener la barque dans le truc. Et je vais te montrer un premier truc, c'est que quand tu vas être dans les ascenseurs, pense à toujours bouger ta caméra tout autour de toi. Ouais. Pour voir s'il y a des passages secrets, parce que dans le jeu, tu verras, ils ont une petite tendance à planquer des passages secrets partout. D'accord, mais là, qu'est-ce que je fais? J'utilise le levier? On va prendre l'ascenseur. Ça marche comme tous les autres, il y a toujours le gros bouton au milieu. C'est toujours pareil, les ascenseurs. Hein. Ah, il y avait une porte, il y avait deux portes. Ah bah voilà, oui, ça c'est l'œil de Franck. Il y avait des portes. Alors, tu peux te pousser du bouton. Hop, on va remarcher dessus. Et on va remonter chercher... On va remonter chercher ça. Alors tu verras, il y a des... Je te spoil pas pour la suite, mais des fois, par exemple, quand t'as un... Oh, suis. T'es passé comme ça, d'accord. On pouvait passer par en haut, ça marche aussi. Si je tombe pas. Est-ce qu'il y a des trucs là? Non. Le mode simulé, si c'est un autre, mon affirmation n'est pas vraie. Oui, c'est celui-ci justement. Une rune alors, dorée. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors les runes dorées, c'est intéressant. En gros, c'est des runes, un kit de runes que tu peux utiliser quand t'en as besoin. Donc genre, tu veux passer un niveau et t'as passé de, descends pas tout de suite parce que je pense que tu vas décéder. Regarde, t'as un petit passage là sur le côté, donc tu vas sauter. Hop. Oh, quel homme, vous avez vu ça? On va y arriver, hein. Ouais, bah on est des ninjas en même temps, hein. Ninja de l'amour, obligé. Alors tu me verras souvent mourir, par exemple, en tombant. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est un peu une sorte de spécialité. Alors quand l'ascenseur, tu vois, est en haut et que nous, on est en bas, tu vas me dire comment fait-on pour remonter. Là, tu viens de comprendre à quoi sert le levier qui se trouve ici. D'accord. Tu vois. Mais il y a un deuxième passage qu'on a raté. Je l'ai pris, il n'y avait rien. Ouais, bon. Et donc voilà. On prend peut-être le... Oui, ouais, on va prendre le feu de camp parce qu'il y a des probabilités fortes qu'on meure ici. D'accord. Ok, maintenant qu'on a touché, on c'est y part, c'est ça? Alors le but là, ça va être de récupérer ce qu'on appelle des pierres de forge. C'est des objets lumineux qui sont souvent dans les murs ou sur les mobs. Et c'est l'objet qui va nous permettre d'augmenter les dégâts des armes. Ça va être très intéressant. Ok, ah, alors attends. Merde, je peux plus de touche moi. Vas-y mon Franck. N'hésite pas à avoir recours à la fourberie. Oh bah je comptais pas faire autrement. Hein. Ah oui, il est costaud celui-là par contre. C'est pas la même sauce. Alors, faut savoir un truc, on est dans un RPG Heroic Fantasy. Les armes ont des catégories. Donc si tu regardes dans tes équipements, ouais, par exemple ton épée. elle a des dégâts de type tranchant-perçant. Tranchant-perçant, oui. Ouais, si tu regardes. Et si tu regardes le fléau d'armes que tu as récupéré, c'est des dégâts contendants. Ah
Ah oui, contendant, et ouais. L'autre c'est ordinaire perçant. Oui, ouais. D'accord, comme pour les jeux de rôle, effectivement, où tu définis différentes lames, d'accord. Et je sais pas si tu l'auras remarqué, mais les créatures qu'on est en train d'attaquer, là, c'est des créatures de pierre. Donc, si t'as assez de points, si tu peux équiper le fléau, t'as combien en dex, là? T'as remis un peu en dex ou pas? Non, j'ai 15. T'as 15? Bon, faudra que t'essaies de monter un peu la dex si tu veux utiliser le fléau. Après, on pourra trouver des masses. Alors, Flank, t'as oublié un truc, regarde, est-ce que t'as pris ça contre le mur? Non, je vois rien. Qu'est-ce qu'il y a contre le mur? En jaune. Ah, tu l'as peut-être pris tout à l'heure? La pierre de forge? Attends, je regarderai à la prochaine oui, si tu l'as. J'ai pris une pierre de forge. Voilà, ouais. C'est ce qui nous permettra d'augmenter nos armes. Mais est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de les attaquer en fourbe, c'est-à-dire je descends et j'arrive dans le dos de celui-ci, là? Ouais, on va faire ça. Je vais attaquer par en haut et toi, si tu peux descendre, je viendrai t'aider s'il y a le moindre souci. Et en cours. Descends, mets-toi en fufu, passe derrière lui. Oh, tu fais ça tellement bien. Vas-y. Oh, des années de putasserie, tu sais. Oh, je vois ça, je vois ça. T'as une pierre de forge, normalement, ici, hein, l'oublie pas. Tu l'as vu. Ça y est, j'en ai chopé deux même. Alors, au début, il faut deux pierres de forge pour prendre un niveau sur une arme. Ensuite, 4. Et ensuite, 6. Alors, faut savoir que... J'ai toujours peur de t'abreuver d'informations. On va rencontrer deux types d'armes dans le jeu. Il y a les armes qu'on a là, des armes simples. Et après, on va rencontrer des armes spéciales. Et les armes spéciales, il faudra des pierres de forge spécifiques, qu'on appelle des pierres de forge sombres. Donc il y a deux catégories de pierres de forge. Les pierres de forge normales, comme celles qu'on est en train de récupérer là. Ouais. Et après, il y aura des pierres de forge sombres. Pierre de forge sombre, d'accord. Alors tu feras gaffe, là sur la gauche, il y a un petit bâtard qui est installé là. Il est en train de chillax tranquille. Je vais le taper. Il y a des... Ah bah d'accord. Et attention, il va y avoir des rats. Et voilà, ils sont là. C'est raté. Comment ça on... Putain, mais c'est pas des rats ça? Si, si, c'est des rats. Mais c'est des petits ceux-là, on est de sens. Mais t'as vu la taille des rats? Ah oui, ils sont terribles. Yes. Ouais, bon, ceux-là, c'est des petits rats. C'est des bébés rats. Après, tu verras, il y en a des beaucoup plus gros que ça. On poursuit par là? Ouais, on continue d'explorer, je te suis. Toujours attentif aux pierres de forge, aux coups de pute, il y en a plein dans le jeu. Attends, je te mets la lumière. Alors, attends. Oh, les explorateurs de l'impossible. Une pierre de forge, bon. Okay. Ça, c'est toujours bon à prendre. Après, toi de voir, hein, si t'as envie de tester les sorts, on pourra acheter ce qu'il faut pour que tu puisses commencer à lancer des sorts. Et après, selon ce que tu veux lancer comme sort, faudra privilégier, donc comme les gens disaient, l'ésotérisme si tu veux les sorts du dragon, que j'ai pas testé. Si tu sais la foi, donc généralement, la foi, c'est plutôt de la magie de soutien, ainsi que des boules de feu et des choses comme ça, et de la foudre. Et après, t'as les sorts, la magie pure, et ça, j'ai pas testé, c'est basé sur l'intelligence. Donc ça sera à toi de voir comment tu veux faire évoluer les choses par la suite. D'accord. Bonne nuit, Pépé Quake. Est-ce qu'on peut redispatch les points dans le jeu? Alors pas tout de suite. Il va falloir un moment qu'on passe un boss et on va débloquer la possibilité de réattribuer des points, mais ça va nous coûter un objet qu'on pourra récupérer dans le monde. En quantité relativement limitée. Il n'y a pas de piège. Alors attends. Alors je vais te montrer une particularité dans le jeu. Comme je te disais, il planque toujours plein de trucs. Donc tu te souviens, les ascenseurs, généralement on check toujours autour s'il y a des trucs. Donc généralement ce qu'on peut faire, c'est aller se mettre un peu au bord et regarder s'il y a des passages. Alors ici je me souviens plus s'il y en a un, je crois que oui. Ouais, là il y en a un. Attends, je vais passer devant comme ça, si je meurs, tu feras pas l'erreur. Oh oh. Il va falloir que tu te décroches, ouais. Hop, voilà, c'est bon. Normalement tu peux, en sautant tu peux passer. Mange bien le bord. Hein. On a eu chaud. C'était un peu just. Alors tu vois, regarde, il y a un passage là. Celui-là, il va falloir qu'on prenne l'ascenseur et qu'on saute au bon moment, je pense, pour le prendre. Mais là, ça va être compliqué. Attends, je vois pas le passage. Juste en face de nous, là. Et on pourra pas y aller pour l'instant. Il est sur ma droite, tu le vois? Oui, je le vois. Bon, là, on va continuer de descendre. Pense à sauter parce que j'ai l'impression que la corniche n'est pas accessible. Il faut sauter un petit coup. Ouais, très bien. Oh, je te suis, je te suis. Ouf. Et on est en bas. Tu me fais un bisou qui soigne? Non mais oublie ce que j'ai dit, parce qu'avec ta tête de... Ouais, comment ça ma tête, je suis magnifique.
Non, mais j'ai rien dit. Je rappelle l'ascenseur. Ah, il y a un passage par là, regarde. Eh ben, let's go. Pense à utiliser ton bouclier sur cette partie-là, parce qu'il me semble qu'il y a des chiens de mémoire. N'hésite pas à reculer si tu sens qu'il y a une menace. Est-ce que t'as ton arc? Oui. Ah, ça peut être intéressant. Ah, regarde, attends, regarde, tu le vois? Oui, je le vois. Tu veux que je le tire à l'arc? Attends, je vais le tirer, j'ai quelques flèches. T'es prêt à combattre? Oui. Il peut arriver avec des renforts. Putain, il y en a deux. C'est bon, bien joué. Ah, attention, il y a Jean-Pierre la pioche. Oh le bâtard! Putain, les savates de maçon qui met lui! Putain. Ils mettent des taloches, c'est fou, hein. Attends, je vais aller tuer Jean-Michel Pioche. Hein. Je te laisse le tuer? Ouais, ouais. Sécurise la zone. Bah, je vois rien en fait. Alors, on a des pierres de forge à ramasser. Ici. Et alors, de mémoire, c'est là où on va ramasser notre première pierre de forge spéciale qui est planquée en plus. Regarde la fourberie du jeu. Ah non, elle est pas là. C'est juste une pierre de forge ici. Il m'avait semblé qu'ici, dans ce donjon-là, on récupérait la première pierre de forge sombre. Bonne nuit, Nick. Il y a des gros bisous. T'as fouillé à l'intérieur de la cabane? Non. Ok. Un grand morceau de pierre d'éclat. Parfait. Je crois qu'on n'a rien d'autre à prendre ici de mémoire. Bah ça a l'air vide. Ah, tu fais de la lumière? Oui, j'ai pris une torche. D'accord. Alors, tu te souviens, on a un passage où il va falloir qu'on saute. Oui, c'est en face. Ouais. Je crois que c'est en face. Alors, c'est tourné comme on est là, je crois. Tout à fait. Okay. J'enclenche ou... Vas-y, enclenche et on se prépare à sauter. Oh, oh, c'était pas par là. Non, trop tôt. Vas-y, tôt. Utilise la manivelle et renvoie-toi à l'ascenseur. Oui, et je te rejoins. Ouais. En fait, c'était pas en face, c'était bien de l'autre côté, t'avais raison. Comment ça? En fait, c'était, t'avais raison, c'est, fallait regarder vers le sud-est. Ah d'accord. Ok, je t'attends sur la corniche. Ok. D'accord. Voilà, t'es tourné dans tu le bon dit sens. Vers le sud-est. Ouais, c'est là, c'est okay. Là. Bah tu vas me voir, de toute façon. Oh yes, t'as fait ça comme un pro. T'as vu, en mode ninja. Donc là, ninja, on s'infiltre. On exécute le maximum de mobs et on essaie de pas crever. Oh, il fait quoi lui? Je crois qu'il est anti-pause. Attention, il y en a un qui arrive là-bas. Il y en a un qui arrive au fond. Recule-toi, on va attendre qu'il s'en aille. Parce qu'eux, ils sont un peu casse-couilles. Non, celui qui est au fond, il s'en va en fait. Par contre, l'autre, tu veux pas qu'on essaye de l'attirer avec l'arc et il vient? Alors le problème, c'est qu'il va se mettre à distance et il va nous envoyer du feu. Donc on va plutôt attendre qu'il se barre. Ouais. Voilà, et on va le faire dans le dos à ce moment-là. Eh ben vas-y, moi j'attaque celui qui est anti-pose. Ok, ça marche. Petit bâtard. Fais gaffe à ta vie. Ouais. Putain, par contre, il tape fort, hein. Ouais, je te cache pas qu'il tape très fort. Il tape très très fort. On va essayer d'y aller discrètement. Ok. Là, il y a encore des mecs. Alors, méfie-toi, il y a celui qui arrive. Normalement, celui... Ouais. Ouais, ils vont tous arriver. Éventuellement, ce que je peux faire, ouais. C'est une bonne idée d'essayer d'en attirer un. Tu te prépares à l'attaquer dans le dos? Oui. Laisse-le s'approcher de moi. Bah, en vrai, laisse-le simplement faire demi-tour et on lui tombe dans le dos. Ouais, mais j'ai peur que ça attire son pote. Oh, notre stratégie est bonne. Ah, il nous a vu, lui. Mais il est tout seul, oui, maintenant. Oui, mais c'est pas... Laissons-le venir, hein, après tout. J'aime bien cette technique. Je trouve que ça marche bien. Attends, je vérifie que j'ai pas oublié des pierres de forge. Ouais, la même. Non, il y en avait juste une, je crois, ici.
Non, moi je crois que j'ai pris. En vrai, donc. Voilà. Ok. À vous l'honneur, cher ami. Merci. J'adore. Okay. Alors yes. Attends, tu as dit regardez bien sur les côtés. Ouais, toujours regarder sur les côtés s'il y a des passages. Alors il y aura toujours un passage parce que l'idée. Il y a une corniche. C'est... Ouais, il y a une corniche. Généralement, on peut toujours descendre tout simplement parce que si l'ascenseur est en bas, comment tu fais ouais. pour descendre ? Alors généralement, tu utilises la manivelle. Oui. Et bah go. Mais je pense qu'il n'y a rien ici. Ah si, peut-être. Ah si, il y a un truc. Regarde, on voit un loot en bas. Oui, tu vois ? Je le vois. Comme quoi, on a bien fait de descendre pour le au cas où. On fait toujours bien de descendre. Après, je suis par contre, elles sont grandes, les mines. Ouais, ouais, mais celle-là, c'est une petite. D'accord, celle-là, c'est vraiment une petite. C'est vraiment une toute petite. D'accord. Ah, voilà. Tu vas normalement récupérer ici une pierre de forge une sombre. De forge sombre. Donc, tu verras, on aura certaines armes qui, qui ouais. nécessiteront des pierres de forge sombres. Donc là, il en faut qu'une seule pour augmenter l'arme. Par ouais. contre, si c'est des pierres de forge normales, comme je te disais, il faudra en avoir plusieurs. D'accodac. Et les armes spéciales, évidemment, sont plus puissantes. Mais elles sont moins malléables au sens où tu pourras pas modifier les attaques spéciales qui sont dessus. Dac. Ok, est-ce que tu sens ce qui va arriver derrière cette porte ? Une... On va nous refaire la rondelle ? Voilà. Le... Donc le boss qu'on ah, va... il y a de la pierre de forge ouais. là. Le boss qu'on va rencontrer là tape très fort. Ouais. Il n'y a pas de point de sauvegarde ? Non, il n'y a pas de point de sauvegarde. C'est pour ça que il va falloir faire essayer de rester en vie le plus longtemps possible et qu'un de nous deux le tue. Ah. Ouais. Alors particularité de ce boss, il faut lui taper, les pieds. Donc normalement, si tu le locks, tu vas lui bloquer un de ses pieds. Et une autre particularité, d'accord. c'est qu'il est très grand, donc la caméra va partir en sucette à tous les niveaux. Est-ce que je peux le tirer à l'arc ? Alors, ça va servir à rien du tout parce qu'il est en pierre. T'es prêt ? Non. Donc, normalement, sur celui-là, je pense qu'on va mourir. Parce qu'il est compliqué, il tape très fort. Bon, bah, let's go, alors. Allez, c'est parti. Oh là là. C'est un gros morceau, hein. Ouais, il est assez gros celui-là. Oh, j'ai invoqué mes loups. Fais de même. Ah, on peut ? Oui. Oh, génial. Oh, les patates de maçon qu'il met. Ouais. Il met les grosses patates de forain, lui. Pour combattre un bestiau pareil. Tu tapes ses pieds. Mais en dessous. Oh. Oh ça c'est beau ça. Bon il a pas perdu beaucoup de vie mais. Oh. T'as pas invoqué tes loups toi ? Non je peux pas. Tu déconnes. Non. Je pense qu'il y en a un. Putain comment il m'a arraché ? Tape-le. Putain, comment il est vénère. Ben, il faut dire que j'étais derrière lui. Oh. Trop court. Ouf. Ah le bâtard. Vas-y mon Franck. Ouf. Mais merde. Mais merde. Ouf. Putain le taquet qui m'a mis. Soigne-toi, soigne-toi. Ok, j'ai même pas pris le temps de prendre ma fiole. Prends-la. Ok, j'en ai plus en fait. Ah.
Oh, ouf. Oh le taquet qui t'a mis. La violence du truc. Oh putain. Attention, il va faire une attaque, faut que tu roules bien comme il faut. Ah, c'est ce que je fais. Normalement, il leur fait une derrière. Là, on doit pouvoir le charger, là. Allez, mon Franck. Oh, je suis mort. Tue-le. Ah finis non, le Franck. Ça. Je suis en caméra visiteur. Vas-y, tue-le. Non. Attaque ses pieds. T'enfuis pas, il non, a plus de vie. Regarde, il a plus de vie. Il a plus de vie, Franck. Tu roules très bien. Allez, vas-y. Oh. J'ai fait une erreur, Jack. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait quoi? J'ai enlevé le lock du personnage, donc du coup, je tapais dans le vide. Ouais, il faut locker ses pieds. Normalement, on est revenu au feu de camp. Et ben voilà. Donc ça ressemble beaucoup au combat qu'on fera. On fera très rarement les boss du premier coup. Hein. Attends, je vais répartir mes fioles, moi, par contre. Tu devrais faire la même chose. J'ai bien aimé parce qu'il m'a aplati comme un moustique. Ah ouais, non, mais celui-là, il fait super mal, hein. Moi je vais mettre 5 potions, va au feu de camp, essaie de répartir tes fioles. Comme ça tu te mets plus de fioles de vie. Ouais, au début on met surtout des potions de vie. Et je vais en profiter pour dire attends, à la prochaine à YouTube. Il y a Mélina qui veut nous parler. Ah bah attends, 2 secondes. YouTube, à la prochaine, on parlera avec Mélina. Ah merde.